my people, avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais tout d'abord prendre de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Dans le cadre de son album de 2019 intitulé King the Gif, Beyoncé a fait honneur à l'Afrique en sollicitant des artistes et designers africains. Pour la chanteuse, il est presque impératif de célébrer l'étendue et la beauté de l'ascendance noire. Raison pour laquelle la direction artistique de l'album représente dignement l'Afrique. Parlons de la tradition africaine, des vêtements, des accessoires de nos créateurs et designers africains ont été mis en avant pour le plus grand bonheur de notre culture. Parmi eux, il y a Loza Maléambo, Karija Nkarija, La Falaise Dion, Yembe Designer, Sarah Diouf, Adamo Paris, Laulu Sambadjo qui est Body Painter. Et la plupart de ces collaborations ont pu être faites par Jink Ahmed Saloum Tali, dit le Jink, qui est une grande figure de mode africaine dans le monde. Sur l'album, on retrouve également certains artistes africains, comme Tiwa Savage, Mr. Easy, Techno, Yemi Alade, Buna Boy, le producteur et artiste camerounais Salatiel, Wizkid et bien d'autres. Son album se place en tout cas comme un hommage à la culture noire, à l'identité africaine et s'inscrit avant tout dans une démarche artistique et de réparation aux Africains noirs. Beyoncé a dit un jour, « Je crois que lorsque nous les Noirs racontons notre propre histoire, nous pouvons changer l'axe du monde. Raconter nos vraies histoires de richesse générationnelle, de richesse d'âme qui ne sont pas racontées dans nos livres d'histoire. Je prie que tout le monde voit la beauté et la résilience de notre peuple. Merci à toi, Queen Bee, nous t'aimons. Bravo à vous, chers artistes, vous êtes notre fierté. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Bye!